avril 2015. Je m'occupe du carnaval, des lotos, des brocantes, des ventes de crêpes et enfin tout ce qui ramène de l'argent pour que les petites partent en vacances. En fait, tous les septembre, on a un rendez-vous et on se dit tout ce qui va se passer sur l'année en fait. Et après, on programme les réunions régulièrement pour pouvoir faire les... bien décrire les événements, qui va être là, qui peut pas être là, qui fait quoi, qui fait quand. Viens, Mélina. J'ai 3 enfants. Je viens à la maison Jacques Prévert sur les mardis soirs avec mes enfants, le jeudi soir. Et je suis bénévole à la Bourse Solidaire. Je suis bénévole pour le carnaval et pour les brocantes. On a fait le loto. On a fait une brocante au mois de novembre l'année dernière. Et là, on va aller mieux. Un loto, c'est beaucoup de préparation puisque c'est... Il y a 6 mois, facilement 6 mois de préparation. Il faut démarcher les magasins, il faut récupérer des lots, il faut... organiser après la salle, souvent on loue les salles à côté donc faut les trois salles après, le matériel, les ventes de crêpes, il faut faire les crêpes à l'avance, on ne fait pas sur place. Bon, on a des réunions avec les animateurs référents comme c'est Pauline et Véronique, on va chercher les lots je vais dire, après on installe toute la salle du loto, puis bah, après on est sur le taf, hein, je veux dire, on est sur le terrain, moi j'avais jamais fait parler au micro, bon bah cette année c'était moi donc... C'était une nouvelle expérience. Soixante-six. 7 mardis et tous les jeudis, donc on a cours de hip-hop donc de 19h à 21h. Donc généralement le mardi on fait pour les petits et les moyens et le jeudi on fait pour les grands pour qu'on puisse mieux travailler, pour mieux être synchronisé quand même, pour montrer quand même un peu l'exemple aux petits et aux moyens. On fait ça bénévolement, donc on a créé le groupe avec la maison Jacques Prévert il y a 5 ans. Je représente tout ce qui est administratif sur les People Street, ce qui est les formulaires des papiers, l'organisation, tout ce qui est les assemblées qu'on a prévues, les déplacements qu'on doit avoir encore au mois de juin et au mois de juillet. On aide les jeunes aussi au lieu de rien faire dans la rue en fait. Et puis ça nous fait sortir un petit peu de chez nous aussi hein, en fait. On rencontre du monde, les gamins, les enfants en fait. On aime bien l'ambiance qu'on a. Comme avant j'étais avec les M-Dance, avant j'avais fait un autre groupe en fait, depuis que je suis toute petite j'arrête pas de danser. Et sachant qu'en fait avec la maison Jacques Prévert on avait eu des cours de hip-hop. Comme j'ai toujours dansé, j'ai toujours été élève et là au jour d'aujourd'hui je me dis je suis professeure quand même. On connaît tous et c'est une famille en fait. Là on a fait il n'y a pas longtemps un spectacle, il a été fantastique de toute façon le spectacle qu'ils ont fait, à un complet en plus. On a quand même réuni 180 personnes. On sait qu'ils nous le rendent parce qu'on a été court pour le spectacle et en fait ils nous l'ont fait parfaitement bien. Donc la récompense qu'on leur a fait, on va leur faire là, on va les inviter tous une soirée à Ludibule pour les récompenser de ce qu'ils ont fait. C'est des animations de quartier, des événements comme l'Hermione et autres. Je fais des ateliers aussi à la maison Jacques Prévert, de la marche, de la couture, la cuisine. Je fais aussi l'atelier carnaval pour le carnaval de Dieppe. Je fais aussi de la permaculture. Et après, bénévole avec tous les manifestations qu'il y a dans les quartiers et autres. Voilà, je fais plein de choses. Pour le carnaval, j'ai fait une grosse structure qui va servir pour défiler le jour du carnaval de Dieppe. Alors, le carnaval, c'est tous les mardis et tous les vendredis après-midi, ici. Et en fait, on fait une mascotte pour la maison Jacques Prévert, où on défilera derrière le camion où il y aura la mascotte. Et après, on fait des costumes pour nous, ou pour les enfants, ça dépend. Là, cette année, c'était sous le thème rouge marin.
Donc on a fait un homard géant. Alors moi j'ai fait une formation et j'ai formé d'autres personnes sur les, comment manipuler le grillage, faire des structures avec le grillage. Donc j'ai formé des bénévoles de la maison Jacques Prévert et j'ai formé aussi d'autres personnes de l'AXAD, de différentes associations comme Mosaïque, Oxygène et autres. Moi j'ai beaucoup de plaisir à donner de mon savoir-faire déjà, comme le grillage. J'aime bien aider les autres, donner des conseils aussi, mais j'aime bien aussi en recevoir. Comme ça, ça fait un tout. On a fait aussi des réunions pour savoir communiquer, comment parler en public, être rassuré, comment faire des choses en groupe. Et du coup, on a aussi visité l'Assemblée nationale, ce qui nous a permis de découvrir le lieu, l'endroit, ce qui s'y passe. Nous avons aussi visité le département à Rouen. Déjà, ça crée des liens parce qu'on a été avec d'autres groupes. Et puis ça permet de visiter les lieux et qu'est-ce qui s'y passe, quoi, parce qu'on voit souvent la télé, donc on se demande comment c'est en grandeur nature. Je rencontre des gens, je me vide la tête, enfin on a des dans la ville bah, tous les jours, donc quand on est ici, on est ailleurs, on pense pas à nos soucis, on pense pas à tous les à côté. Puis on peut parler à tout le monde, il n'y a pas d'obligation, tu peux venir un jour et l'autre toujours pas, enfin peut-être l'éducation de la vie qui fait que tu peux pas venir tout le temps, comparé à un travail. Et bah tu rencontres des gens, puis c'est libre de soi en fait. Il n'y a aucune obligation. Moi, j'étais plus ou moins isolée. Et comme j'ai découvert justement la maison Jacques Prévert grâce à mes enfants, parce qu'ils ont été au centre, ça m'a apporté un plus. Et j'ai commencé justement à participer avec mes enfants à des ateliers, qui après, j'ai poursuivi en faisant des propres ateliers moi-même. Et, parce que moi, ça me sort de l'isolement. Ça me permet de créer des liens avec plusieurs personnes. Et chaque moment passé, on en découvre d'autres et on recrée du lien. Parce qu'en plus, on ne fait pas qu'à la maison Jacques Prévert, on va dans d'autres quartiers. Donc moi, ça m'apporte beaucoup. En fait, je me retrouve un peu actif. Moi, ça me fait du bien et c'est un changement, en fait. Avant de reprendre le travail, ça me fait une petite expérience. Venir pour se changer les idées des gens, de découvrir des ateliers et découvrir des savoir-faire, de ne pas rester tout seul dans son coin et puis partager des bons moments. Parce qu'on partage beaucoup de bons moments. Et c'est, moi je dis, c'est très accueillant, c'est très vivant. Il faut que ça bouge.